Salut à tous, c'est Zougi. Donc voilà, 15 mars, 10e test rétro joystick. Et aujourd'hui, j'ai encore fait une console déjà testée auparavant, hein, c'est la Mega Drive ou la Genesis. Là, cette fois-ci, un jeu de combat, mais excellent. Je me rappelle que de lui, à l'époque en fait, je l'avais ultra kiffé, j'avais fini deux fois. C'est Street of Rage 2. Voilà. Street of Rage 2. Avec le super livret magnifique. Ouais. Ça me dégoûte un peu parce que franchement j'aime bien les livrets à l'époque. Tôt qu'aujourd'hui maintenant on fait que du dématérialisé et du connerie, donc les livrets il n'y en a plus. À l'époque j'aimais bien quoi. Petit jeu Mega Drive. On voit que c'est les anciens logos Mega Drive. Hein. Avec les boîtes, enfin les boîtes, les jaquettes. Noir quadrillé, on va dire. Ça c'était les avant 1993. Après 1994, il y a eu les jaquettes bleues avec marqué Mega Drive sans être entouré en fait. Bon voilà. Ouais. Avec la tronche des types quoi. Lui c'était Max. Lui c'était Axel. Alex, non, Axel, ouais. Elle c'était Blaze. Et lui là-bas c'était Skate. Mec en roller. Putain. Non, franchement, ce jeu il était excellent. J'ai le 1 hein, en multi-cartouche, enfin multi-cartouche. Un genre de jeu où il y a Sonic 1, Shinobi, Columns, etc. Il y a le 1, mais j'aime pas. J'aime pas. Le 2, j'avais. C'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur. Franchement, je teste ça maintenant et je me languis, franchement, du rejouer quoi. Warning of the battle. Coucou. Allez. 92, ouais c'est ça. Après 93, les jeux ont changé de forme. Enfin de forme. De boîte, de nuit bleue, je sais pas quoi. Alors option y a quoi? Non voilà c'est normal, 3 vies. Alors Max, Axel, Blaze, Skate, ouais, c'est ça. Génial parce que chaque perso a ses caractéristiques propres. Et ça c'est bien. J'ai toujours kiffé être lui moi dans la vie en fait. À chaque fois que je jouais, je me disais putain je vais faire pareil que lui dans la rue et tout. Sauf que bon, lui il a la classe. Alors B. B c'est coup de poing. Voilà, C tu sautes et A. L'attaque spéciale on va dire, ouais, ok. Ce qui fait perdre la vie en fait. Quand c'est réussi, hein. Si je fais ça là, je perds pas de vie. Si, quand même. Ok, donc si j'appuie simplement sur A, je perds pas de vie, à part si je touche le mec. Voilà. Et si j'avance et j'appuie sur A, je fais l'attaque spéciale, on va dire un peu plus longtemps, que je perds quand même la vie, même si je touche pas le mec. Ok. Ouh, allez. Avec les noms des types, Yellow Signal. Lui, il s'appelle Red Signal. Voilà, c'est... Pas casser le cul quand même. Hein. Signal rouge, signal jaune, signal bleu, vert, violet, multicolore, transparent et tout ce que tu veux. La bonne musique. Ah putain. Donovan. Tiens, son frère jumeau là. Vas-y, tiens. Garcia. La bonne époque aussi où il était les mêmes persos, mais j'avais juste la couleur. C'est un peu comme Yellow Signal et Red Signal, hein, c'est pareil. Hein. J'aime bien ce bruit. Je me rappelle qu'à l'époque le couteau j'arrivais pas à le lancer donc je vais pas le prendre. En plus il a une portée pourrie quoi. C'est...
Alors on ramasse avec B. Ouais. Ouh, que ça fait mal ça. Mais non mais. Putain. Mais non, putain, c'est cheap. Mais non ! Connerie. Ouais mec, mais qu'est-ce qu'il fait ? Putain, voilà, il nous retrouve avec quoi ? Avec un couteau de merde. Le mec fait du pole dance sur sa tronche et après de la barre en fer je te joue avec un couteau de merde. Tu peux pas le jeter, comment je fais pour le jeter? Je m'en fais plus moi, je croyais qu'il fallait faire la doken, non? Vas-y. Elle me semble, ouais, il y a pas mal de niveaux quand même, il y a celui-là, puis il y a celui-là. Bon, il y en a bien 9 ou 8. Hein. En plus des environnements ils changent. Non, franchement, je trouve que ce jeu est vraiment sympa. Hein. Ouais, vous voyez, je m'arrête quand je tape, parce que sinon ça fait un combo et il meurt pas si je fais ça. Voilà, il est pas mort, il faut qu'il se relève, etc. Donc ça met 100 ans, donc entre... Donc entre temps, je m'arrête comme ça. Vous voyez, moi je peux pas réagir et je peux faire ça à l'infini. Vous voyez, c'est... Alors que là, il faut qu'il se relève et tout, bordel. Putain, il y avait un poulet là normalement. Eh oui, derrière les pancartes, il me semble qu'il y avait un poulet ou un truc comme ça. Le poulet hein, qui est 100 fois mieux que la pomme, qui te régénère toute la vie. Hein. Et de l'argent qui sert à rien. Mais bon, c'est cool d'avoir de l'argent quand tu te promènes dans la rue entouré de mecs assez louches. Le mec il court plus vite que moi quoi, et le mec il a hâte de se faire casser le cul, tu as vu? Le mec il te sort derrière la porte, il sort. Ah oh putain c'est excellent ce jeu. Il peut pas arriver normalement, j'ai obligé de sauter, tu as vu? Se ressemblent tous, s'appellent tous pareil, une seule couleur qui change, bah ils font n'importe quoi. Sauf que là c'est un peu abusé quand même. Hein. Bon il est où Garcia? Oh tiens, il est encore là Garcia. En fait il me semble que en mode normal il y a plus qu'en mode facile, non? Je sais plus. Ou alors quand il te tape, il y a plus de vie. Ou les deux, je sais plus. Oh là là. Oh le cri de la fille quoi. Oh putain. Attends, il y a les gouttes de pluie et tout quand même, hein. Attention, on est sur Next Gen là, hein. Mega Drive 12. Voilà le boss, je sens qu'il va me faire chier parce que les boss justement, tu peux faire ma technique à la con, ça marche pas. Il se protège. Ouais, coup de pied, coup de poing, coup de boule aussi, non, vas-y allez. Eh ben voilà, c'est moi qui ai fait le coup de boule. Il con. Mais cassez-vous, merde! Oh, bon.
ouais, le mec se protège et tout. Je sais pas, moi je vais faire, je vais décoller, hein. Ouais, ça va, là, il... Il riposte pas encore. En tout cas, ça lui fait mal, cette attaque, hein. Ouais, mais n'importe quoi, il... Soixante-six, le temps. Ah, j'ai gagné une vie. Apparemment, je vois qu'un niveau, il fait quand même 8 minutes. Hein. Bon, après, j'ai mis normal, si je mets facile, facile. Et si je mets hardest, wouh! Bref, voilà, le jeu c'est toujours le même. Hein. Là on peut voir que l'environnement il a beaucoup changé. Hein, mais on se retrouve dans une ville pouilleuse sur un pont pouilleux, donc, donc ça change. Hein. C'est vraiment un bon jeu, je vous le conseille, hein, franchement. Hein. Bon, il est devenu assez rare quand même à trouver, hein, parce qu'il est bon, hein, mais voilà quoi. Si j'appuie sur... non, il n'y a pas encore l'époque, hein. C'est Nintendo qui a inventé ça encore une fois, hein. Parce que quand tu appuies sur toutes les touches, là, A, B, Z, Y, W, Z, R, tu retournes sur la page d'accueil ou l'écran titre. Mais là, il n'y a pas. Non, bon, ben voilà. Je vais arrêter d'y jouer pour finir la vidéo, mais je pense qu'après, je vais me le refaire, le jeu, parce qu'il est excellent, quoi. Souvenir qui remonte, mais... Ah... Là j'avais quoi? J'avais 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, allez. Ah là là. Storm. Donovan encore? Eh ouais, il est partout lui, il est partout. Bref, bon ben je vais arrêter pour finir. Oh, quel excellent jeu. Street of Rage 2. Par contre, ils ont tous des tronches dessus, sans déconner. Le Max en haut à gauche, là-bas. On dirait qu'il, je sais pas, il joue à faire l'exorciste. Axel, il a la gueule, là, de je sais pas, de... Je sais pas, de Bratislava Boys. Ils ont des têtes dessus, sans déconner, putain. Oh, le beau livret. Non mais franchement c'est excellent. Il ressemble, enfin le premier niveau du 1, du Street of Rage 1, c'est le même niveau presque le début du Street of Rage 2. Mais le 1, le Street of Rage, je sais pas, j'aime pas, c'est... Je sais pas. Il y a Axel quand même, je crois qu'il y a Blaze aussi. Mais il y a... Je crois qu'il n'y a pas Skate en fait. À la place il y en a un autre. Non ils sont que 3. Oui ils sont que 3. Skate il a été rajouté dans celui-là. Mais je sais pas, j'aime pas, c'est trop laid, c'est pas aussi bien fait que le 2, pourtant c'est la même console, hein, je sais pas, je préfère 100 fois le 2. Bon après on peut voir aussi que c'était en mode normal et que j'ai mis quand même 9 minutes à peu près pour faire le premier niveau. Hein. Je crois qu'il y en a 9, ou peut-être 13, enfin entre 8 et 13 on va dire à peu près, c'est un peu large mais bon. Il y avait quand même pas mal de niveaux. Hein. Donc voilà. Après vous pouvez essayer ma technique aussi du je tabasse mais pas trop pour pouvoir continuer en fait enchaîner, faire des combos infinis. Pour arriver au boss, parce qu'après au boss ce système là, je peux pas, hein, c'est. Je peux pas. Donc voilà. Ben, merci à tous d'avoir regardé ce 10e test. Ouais, Retro Zoidy. Là on est le 15 donc dans 10 jours il y aura Kid Icarus. Et sur 3DS, sur ma chaîne Zoidy Popo normal. Hein. Donc voilà, et ensuite 300e. Si l'avion ne s'écrase pas, ouais, je sais pas, on verra. Suspense. Et puis donc encore merci à tous. Et puis ben, dans 10 jours, et puis 15 jours pour notre émission de Trojouli. Et entre les deux, il y aura la 300e normalement. Allez, ben, à bientôt.